Ah bah je peux mettre du Winamp. Je peux mettre du Winamp. Golf around, hop. Puis que j'ouvre ma... Qu'on parle. Ma vocale, faut que je l'ouvre ma vocale. Attendez. Écran principal, reviens. Merci. Sinon ça va pas m'aider. La 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 la. Type musique, hop là, pas trop fort hein, en arrière-plan, qu'on puisse bavarder en même temps. Alors lobby, bah ça, hey, ça va être à toi d'héberger AJ. Ça va être à toi d'héberger parce que c'est toi qui va proposer les. Les, qu'on appelle ça, les prout-prout, les parcours. Voilà, c'est chapeau. La couronne de Miss France. Oh, la toque de cuistot me fait rigoler. Ouais, j'aime bien en rouge. Oh, je vais me faire cuistot aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux héberger la partie, mon cher Edge? Et on se met le mot-clé classique, mot de passe, le coucou. Histoire qu'on n'ait pas d'étrangers qui se greffent à nous et qu'on reste entre nous. Zildoblai. Show playing room, non. Bah si, il faut que je vois Edge, que je suis bête, moi. Ouais, oui, bah installe-toi. Installe-toi. La magie de Noël. Oh, on voit le fond de mon... qui est dégueu. Il faut que je lance ma vaisselle. J'avais oublié que j'avais armé mon lave-vaisselle, mais je l'ai jamais engagé. J'arrive. J'en ai profité pour aller astucieusement aller aux toilettes et soulager ma vessie. Ce qui, je ne vous le cache pas, m'arrange bien pour mon confort. Oh, attendez. Ah, ah, je me bats avec ma flanelle. On dirait que je vais faire un numéro de torero. Holy. C'est très con. Allez, zou. Ah là 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 là. La joie de pouvoir être peinard au chaud chez Sway. She's sweet.
Aïe, 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 aïe. En train de m'exploser le fessier. Oui, bah je vais mettre les écouteurs, et puis, enfin les écouteurs, les oreillettes. Puis je vais voir où t'en es, Jay. Bah c'est... Mais pourquoi il fait pêle-mêle, mon truc? Attends, je vais rafraîchir les salons, parce que t'es peut-être déjà en place. Lobby the game. Ah, Lobby Heaven, ouais, c'est un truc... Je pense que c'est toi, le Lobby the game. Oh, the game, oui. Mets une poche. Pardon. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Eh oh. Yes. Est-ce que vous m'entendez sur le stream? Est-ce que vous entendez le petit TJ sur le direct, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut répondre dans le chat? Est-ce que vous entendez le petit TJ? C'est bas. Ah. Merci Twinsen. Attends, je vais régler ça. Pourquoi c'est bas? Ah, t'es à 125. 150, allez. C'est bien parce que t'as chipé la grippe dernièrement. C'est le mec qui parle mal. Bon, ça devrait être mieux. Ah, bah il est avec nous. En attente de l'autre. En attente de Nayone surtout. Ah. Nayone va nous rejoindre. C'est bien. Ouh, c'est paradisiaque, la vignette. L'Hermer Heaven. Il y a de la féerie. Il y a un mélange de tempéré, tropique et glace au premier plan. Oh, Kizako. C'est le parcours échauffement. Ah, ouf, d'accord. Ça va monter crescendo et ça va finir par hurler. Ah, mon Dieu. Enfin, je fais mon foufou, mais... tu vas mieux? Apparemment, la voix, là, la grippe est passée. Oui, oui, ça va mieux. Ouais, c'est bien. Parce que la grippe, tu peux morfler. Hein. Mm. Donc, c'est bien. Visiblement, t'as eu peu de dégâts. C'est cool. Oui, Nayone est demandé à l'accueil. Ou réglisse, en substitution. Tiens, on va lâcher le miaou. Ça, c'est moi qui vais le faire. Alors, qui fait Nayone, Canayou, Nayone, Nayone. Mais il est parti faire autre chose, c'est pas possible. Je sais pas. Au pire, on fait celle-là sans lui. Bah oui, je suis. Message de Fun Fan 1992. Le niveau des casinos l'a perdu. Je crois. Oui, tant pis, on va. Ok, allez. Bah oui, là, il nous fait poireauter un peu trop longtemps, Nayone. Kanayu, je sais pas, il est parti faire autre chose. Allez, vas-y, fais péter. Alors, Lumber Heaven par Sachka. La seule fille dans l'équipe à Sony, c'est Rouge the Bat. Oh là, elle, je la vois même pas. Autant Amy Joa, c'est la petite amie de Sony, normalement, c'est sa compagne. Mais Rouge the Bat... Voilà, chargement. Ouais, c'est normal quand c'est pas les niveaux du officiel du jeu. Faut être patient. Ah, alors, je dois vous annoncer qu'il est fort probable que je fasse du camion ce soir pendant que je ferai la modération chez FunFan. Alors, évidemment, je ne serai pas en direct, hein, je serai dans mon coin.
Mais il n'est pas impossible que je fasse un cortège. Et puis, pour ceux qui voudront me suivre tout en regardant Fun Fan, il fera Final Fantasy, ce sera sympa. Welcome to the whole one's left side. Avec deux magnifiques perroquets, deux haras. La 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 la. Wouah, ce parcours. Je suis déjà intrigué par ce que je vois dans le paysage en fait. Je suis revenu sur le menu du jeu. Déconne pas. Up and down. Ah merde, t'as été éjecté mon pauvre Tunsen. Bah peut-être parce que ton ordi peut pas charger la carte. C'est ce que je craignais. Bah on verra pour les prochains 18 trous Tunsen. On va voir. Déjà que Nayone répond pas présent. Mais je dois te remercier et saluer ta proposition, mon cher Edge, de faire ça. Now it's get crazy, the hole on the left combined with the up and down track and oh mon dieu, ils sont fous. Je savais même pas qu'on pouvait faire des messages dans l'éditeur de golf. Birdie. Oh, t'as un casque viking. C'est rigolo. C'est rigolu. Down hill. Down down the street. Down. M'en fous, j'y vais de biais. Toing. Ouais, je voyais bien qu'il y avait un rebond où ça faisait éjection de balle. Oh non, j'ai fait de la mouise. Heureusement qu'on peut se laisser glisser. C'est bien, tu l'as fait en une fois. Oh, c'est beau, le toboggan marbré. Ah, ah, tu vas où? Ah, ah, saligo, je vais où à l'opposé? Ah bah, t'es revenu. Ah bah, moi aussi. Ah bah, merde alors. Oh. Les massacres à les faire. Je me suis éjecté sur l'aile d'un ange. Oh mon dieu. Oh. Faut se méfier parfois des départs de... What? Il y a une modélisation délirante du parcours, mais bon, pourquoi pas. Nous avons des choses en lévitation. Oui, il faut se méfier parfois des départs de parcours, mais je crois que c'est plus le cas dans Golf with Your Friend, et encore non, j'ai des bêtises, c'est un autre jeu de golf, où on peut avoir, en se retournant dès le départ, un raccourci pour atteindre l'arrivée, mais il faut juste penser à l'observer, quoi. Bon, je vais l'avoir cette vis sans fin, merci. Alors, la modération. Ouais. On salut, t'entend, salut, mon cher fan. Fun. Salut, salut. Beau salut. Oui, recoucou. Voilà. Fallait pas montrer le niveau du casino à Nayone, on le perd, hein, dès qu'il voit des casinos. Non, je sais pas, il avait dit que tout à l'heure sur Sonic il aurait un peu du retard. Ah. Et, il avait parlé que de la vocale, il me semblait pas qu'il avait dit. Alors il a 17h07, il a dit j'ai un truc à faire, je pourrais pas venir de suite au golf. Ah, d'accord. Merci pour l'info. Oui, parce que j'ai loupé sûrement des trucs dans le chat. Tout foufou que je suis à jouer. Ah, c'est le casino, ça là. Il est allé gérer son casino. Ouais, c'est ça. Comme ça. Il est en train d'en construire un maintenant. Oh non, pas des cocottes, dit Christella. Ouais, là, elles sont en nombre, les cocottes. Canoe are fun. La fun, c'est moi. Ah, c'est ça le truc en lévitation, c'est les canons. Non, mais... pas si c'est l'hiver qui fait ça, mais c'est plus dur de lire le chat ces derniers temps. J'ai un peu plus de mal, même. Mmh. Être réactif. Et j'ai l'impression que toi aussi, j'ai constaté aujourd'hui, t'as un peu plus de mal. Oui, mais ma fenêtre. Ma semaine m'a pesé. Ah, voilà. Oui, ouais. Ma semaine, là, elle m'a pas mal bouffé les nerfs.
Non, je reconnais cette semaine qu'il était moins réactif. Merde! Je vais juste faire les rediffusions. Je vais essayer ce soir d'être un peu plus, mais bon, je vais être avec Bastos. Bah oui, pour Final Fantasy. Non! Méchant! Méchant jeu, méchant! Là, je te le dis, Edgy, peut-être samedi prochain, je vais faire du catch, je te le dis. Et bienvenue, si t'as envie. Ce sera les aventures de Edge. Mais c'est pas sûr parce que je. Si Bastos est disponible, peut-être qu'on on terminera plutôt le Final Fantasy. Mm-hmm. Wow. Merde. Ah oui, je viens de comprendre. Bon, je crois que t'as réussi. Ouais, tu redescends plus. Oulala. Merde, j'ai tapé le pas fou. Pourquoi j'ai ce bug chelou par exemple ? Oh, j'ai eu un drôle de bug. Ah, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'avais le. J'avais un retour du chat de tout ce qui s'était dit à 15h et plus rien entre temps. Ouais. Ouais, donc. Donc samedi prochain, c'est. Si Bastos est dispo, c'est. Ce sera du Final Fantasy pour continuer. Et si Bastos n'est pas dispo, ce sera du catch. Voilà. Merde, j'arrive pas à tirer. Avec YG éventuellement. Voilà comment est prévu la semaine prochaine. Ah. Ouf. Mais bon, c'est je suis dégoûté. Just a light and jump. Mais ma PS2, elle est peut-être défaillante, ça se dégoûte. Bah ouais. Oh, c'est beau. C'est original. Non, je pense... l'a fait en un coup. Non, comme je l'ai déjà réparé une fois l'année dernière, ça sert à rien de réparer qui est cassé. Si après réparation ça tient pas, bah, il vaut mieux changer. Mais oui, je me suis renseigné et effectivement mon magasin qui m'a réparé mes PS2, PS3, il a fermé. Oui, c'est triste. Il a dit qu'il va chercher autre part pour réouvrir, mais je sais pas s'il va rester dans la même région, parce qu'il venait un peu de loin le gars. Donc. Je pense pas, non, justement il va se déménager dans un coin plus attractif pour son affaire. Donc tu le reverras plus le mec. C'est dommage. Ben, une fois que j'avais trouvé un gars compétent, qui faisait console et PC. Qui pour une fois n'était pas un full time, c'était cool. Ah, ça va, j'ai ça. Vache, t'as 9 coups d'avance sur moi. C'est un scandale. Il joue trop bien le petit EJ. Ah oui, c'est des parcours d'envergure. Alors, Clinton qui dit « Je dois attendre la fin de votre partie pour rejoindre. » Là, ça marche pas. Ah, ok. Oups, blouf. J'ai fait blouf. J'ai glissé, Jeff. Attends, je vais m'avancer là parce que... Le jeu devrait être sur console, ce serait plus marrant. C'est vrai. Il pourrait l'être, à mon avis, très facilement. Je pense même qu'il serait compatible avec la PS2. Bien programmé, la PS2, ça passe. La 1, je pense pas, avec de tels graphismes. Mais la 2, à mon avis... Il y aurait quand même la 3, quand même. Ou la PS2, mais vraiment, il faut la... Bah, dégrader, ouais, les textures. Il faut qu'elles soient moins lourdes, mais... Le principe, le moteur physique passerait, je pense. Ah, gueule, 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 gueule. T'es malin. Oh là là, comment qu'ils ont étalé le truc. Et roule ma poule.
C'est plus un trou d'arrivée de golf, là, c'est une assiette. Eh ben, des cocottes, en veux-tu, en voilà, pourrait-on dire pour Christella. Décidément, le concepteur du parcours a flashé sur les poules. C'est dommage, le sage. Il m'est venu une idée après qu'on ait terminé Wizbot, notre séance. C'est pas secret. Oui. Je me suis dit, je rajoute un son. Et j'ai trouvé, il faut un Tadoum. Ah, bah tu le notes et tu me le rappelles. Oh. Et je te dirai, j'ai un Tadoum bien spécial à te demander parce que je veux pas celui que tout le monde a. Ouais, ouais. Je te dirai lequel, peut-être qu'avec un peu de chance, tu l'as aussi. Tu n'auras même pas besoin de. Mmh. Mais avant que quelqu'un me pique l'idée, je t'en reparlerai hors antenne. Ouais. Mais, ouais. Les oreilles, elles entendent tout. Je suis passé au travers de l'entonnoir. Je prends un nouveau ton. Trou en zéro. Comme ça, je pourrais faire des tadoums à Flinsen, il fait de temps en temps des jeux de mots. Ouais. Oh, t'as pas de bol, EJ. Je comprends pas que quand j'ai testé le parcours, je l'ai fait comme ça du premier coup sans toucher. Ouais, ouais. Peut-être avec moi, collision, peut-être au départ, non. Je crois pas que je les ai activés, collision. Ouais. Oh, ah, meilleure trajectoire. On n'a pas vu Bastos de la journée, il travaille, oh le coup. Ah oui, il bosse Bastos. Ouais. Yana bosse aussi. On peut avoir une pensée pour eux. Effectivement, je me dis qu'en plus il va faire le stream avec moi, mais c'est un fou. Toujours pas me reposer. Mais... Oh. Essaye de nous rejoindre, mon cher Twinsen. Vraiment, ouais, je pense pas que les cartes que j'ai trouvées, ils puissent les faire tourner. Et... Si Twinsen, il triche, vous pouvez l'exclure. Bah, lui, il veut bien m'exclure de certaines bibines. Il n'aime pas les chitos. Longue phase de téléchargement. Pourtant, il est sympa, les chitos. Il dit hola tout le temps. Oui, mais il devrait distribuer les biscuits de Pépito généreusement plus souvent. Ce serait bien. Bah, c'est un cliché, ça. Ouais, je te l'accorde, c'est un cliché gourmand. Alors, pourquoi je suis en rouge avec attente de l'hôte? Alors que moi, visiblement, j'ai une scène dit Nana Mouche Pourrie. En vert, c'est bizarre ça. T'es toujours en train de télécharger la carte. Bah, j'ai la chance d'avoir la fibre, donc ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu. Oh là, j'aime la plage. Il y a sa photo sur le Discord. Bah, qu'est-ce qui me fait le jeu? Attends, je vérifie un truc très con. Oui. Une fois, LG, je sais pas ce qu'il avait, El Chito, mais il s'est mis à parler toutes les langues. J'ai 26 gigas, donc c'est pas l'espace qui me manque. Une fois, il a dit chez Christella, hola, playa, for you, pour vous. Bah, je sais pas, il s'est mis à parler un mélange de français, espagnol, anglais, il a tout mélangé. Attends, je refais une connexion parce que je comprends pas. Pourquoi il ne télécharge pas la carte? Il m'a téléchargé la première, pourquoi il me ferait pas la deuxième? Là, je piche pas. Bah, elle est bonne celle-là, c'est moi le fautif. Option, j'ai pas bridé mon... Non, je peux pas... Il n'y a rien en réseau à gérer là-dedans, donc je vois pas pourquoi il me ferait suer.
Ouh, me gusta la playa. Ça y est, il s'est remis à parler en toutes les langues italiennes. Ouais, c'est ça. Ou gracias. Mais je comprends pas. Pourquoi ça merde le truc? Bah. Je dis ça, j'ai un Twinsen arrive et il y a des bugs. Non, mais. J'adore Twinsen. Salon, ça, attends. On va peut-être arriver à ça, mais je comprends pas pourquoi j'ai la. Bah, c'est débile comme bug. J'ai pas utilisé Google Traduction, moi. Oui, vas-y, peut-être... refais le salon, s'il te plaît, parce que c'est une catastrophe. Excuse-moi, on t'interrompt, fan. Okay. Est-ce que t'as utilisé Google Traduction, Eddie? On veut tout savoir. Voilà, je fais espagnol LV2 quand même. Mmh. Et moi non plus, j'ai pas utilisé Google Traduction. Accusation non fondée. Mmh. Ah ouais, j'avais une question pour Christella, mais je lui poserai quand je la reverrai. Mmh. Peut-être que elle saurait répondre à ta question, le sage. Oui, c'est même pas la mienne à la base. Mais quand on la reverra, si ça me revient. Bah, la question m'est revenue, mais... Ouais. Et bon, c'est bon. Bah... Moi, c'est toujours la même merde, mais pourquoi? Alors là, je comprends pas pourquoi je suis le fautif. Parce que tu streams. Ouais. Génial, bah, la faute. Mais je comprends pas. Une autre. Oui, je veux bien, s'il te plaît, parce que là, je comprends pas. Ouais, surtout à Louis, c'est fini. C'est vrai. Quand, hein, avec un sapin de Noël, c'est plus sympa. Ah, plus. Ça y est, je peux. Les îles du ciel. Et le temps que ça charge, je vais aller chercher un petit truc à manger. Ouais, vas-y. Bah, je crois que t'avais déjà pris ton goûter. Oh, t'es décalé, oui. Toi. Ouais. Ah, ça, là, il faut que le bouffer. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon, voilà, il est un peu plus jeune, pareil, il veut tout le temps venir bouffer chez nous, c'est chiant. Pareil, on le laisse 2 minutes, il bouffe tous les gâteaux. Pareil, il se diffe tous les jus de fruits. On fait les courses pour lui, maintenant on fait gaffe. Hein. Je caricature, mais... Non, mais c'est vrai que la dernière fois, tu lui laisses la boîte de gâteaux, il t'en prend 5 d'un coup. Eh ben, au moins, c'est pas perdu. Non. Ah, toi aussi, t'as activé le mode bouclier. Sympa. Ouais. Bon, par contre, je sais pas pourquoi il a mis 30 secondes par défaut, ce que je fais. C'est une moyenne pour les chaînes Twitch. Ça évite de se faire bombarder les messages. 5, ça suffit. 3, 5 secondes, allez, 10. Peut-être si vraiment il y a une invasion, mais au-delà, on n'a pas les statuts de JVC et compagnie. Ouais. Je peux jouer. J'espère que Twinsen s'est pas fait éjecter. Oh mon dieu, les îles célestes. Me revoilà, je vois Twinsen dans le jeu. C'est beau. Mais... Il a fini, donc c'est bon. Le mode chiant du JVC, c'est JVCL. JVCL. Ouais, c'est bien. Merde. J'étais trop timoré. Il y a un hommage pour toi, Funfan, il y a de la lavande. Ah oui. Non, on voit que c'est pas les tiges à la verticale. C'est violet, mais c'est une autre plante. Oh, ouf. Le geste qui coûte. Ouais.
Non, c'est plus une... C'est pas des digitales, parce que ça se présente pas comme ça, mais... Non, je sais pas, c'est une plante que je connais pas. Elle est jolie, mais je la connais pas. C'était un du piano. En plus, elle a l'air de bien tourner la carte sur son ordi, parce que je vois qu'il joue assez assez fluidement. Mmh, c'est cool. C'est bien. J'ai vu Twin Sen passer au-dessus, je me suis dit wow. Ah, ouais, Christella, la question suivante est, est-ce que tu sais qui est la fille en cocktail qui est représentée dans le jeu? Ah oui, dans la musique fille, dans la musique. L'image fixe de chargement, ouais. La belle nana, ouais. Avec son verre à cocktail, effectivement, dans la main. Est-ce que c'est un perso? Bah, je crois que c'est rouge, mais je suis pas sûr. Ah. Je sais plus quel est ce perso. C'est bien l'attitude de rouge, la chauve-souris. Voilà quoi. Et on parle de Grand Theft Auto Vice City, EJ, pas de Sonic. Ah, mais fallait le préciser. Je l'ai précisé, mais il fallait lire le chat. Ah, ah oui. Je n'ai pas grave. Je suis sur le jeu aussi. Bah, il faut savoir faire deux choses en même temps, même si t'es pas une femme. Je suis en train de jouer, mais pas regarder le chat, alors je suis en train de jouer. Ah, il faut s'adapter, hein. Si tu le sais plus tard. Elle sait pas du tout, Christella, donc. Même moi, je pourrais pas répondre à la question. Je pense que c'est juste une image marketing du jeu, et elle n'est pas présente dans le jeu. Pourquoi c'est un vrai personnage? Ça doit être Michel Beaujolais. Oui, bien sûr. Femme. J'ai fait un tir complètement débile, tellement que ce propos m'a déstabilisé. Dans l'édition physique, tu as trois femmes qui sont présentes pour représenter les trois GTA, donc je pense qu'elles sont fictives. Ah, gagner de l'argent. Pourquoi on gagne de l'argent dans Vice City? Faut tuer des gens. C'est mûche. Et comme un idiot, j'ai acheté le truc le plus inutile, le camion de glace. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'étais un paresseux, j'aurais dû acheter l'imprimerie, comme m'avait dit Aerostar. D'ailleurs, Aerostar, dans le sud, on l'appelle Apérostar. Hein. Enfin, du moins dans le sud-est. Dans le sud-ouest, je crois pas qu'ils sont... Apéro, je pense, c'est vraiment typique de Marseille, l'apéro. Ou c'est le pastis, alors peut-être. Tout le pastis. Attention, on l'appelle apéro, mais on l'appelle pas perdreau. Hein. Faut pas exagérer. Hein. De l'année. De l'année. On aime notre aéroster. Ah non, faut faire plus fort. J'ai trouvé un raccourci. T'aimes bien. Tout à l'heure, tu parlais de raccourci au début du niveau. Bah oui. Oh non, commence pas à dire le mot raccourci, tu vas tirer Dragon Sky. Tu sais, il y a des mots valises qui attirent les gens. Nayone, c'est Casino, et Dragon Sky, c'est les rats. Tout ce qui commence par rat, ça l'attire. D'ailleurs, sa ville préférée, c'est Rapture. D'accord. Parce que déjà, il peut faire des raptures, et ensuite, parce que ça compte par rat. Et donc, il aimerait vivre sous la terre. Et il pense qu'il va croiser Bob l'éponge. Tout s'explique. D'accord.
Dragon Quest, c'est des univers qui se tiennent pas, mais qui sont logiques. Ah d'accord. Là, je comprenais plus. J'ai pas compris. Ma balle s'est fait éjecter, j'ai pas fait gaffe. J'ai tourné la tête au moment là. Pour me désaltérer, mais ma bille a giclé. Bah ! C'est dégueulasse. C'est un scandale. Que signifie ? C'est honteux. Mais... Oula. Ah. Espoir. Merci. Ah, comme cruel. Merde. Ce jeu, il aurait été bien sur une Wii. Oh, il aurait été bien sur beaucoup de supports, je pense. C'est quasiment universel, les golf, mini-golf. Oh la vache, le salaud. Sur une PS3. C'est penché. Bah j'ai des jeux dans ce genre-là sur la PS3. J'ai plusieurs mini-golf sur la PS3. J'en ai au moins deux. Ah, l'occasion, je vous en ferai. On prend chacun un trou. Ah, j'ai pris le bon. Mais très bien, les parcours trouvés. Très bien conçus. Bravo, Edge. Il y en a qui sont doués. Non, mais non, c'est illégal. Illégal. Double buggy. Ah, je crois qu'une scène y est parvenue. Ah non, je crois qu'il était passé, mais non. Dragon Sky, il a eu une idée. Il aimerait qu'un jour, le prochain jeu Pokémon, il se passe sous la mer. Il n'y avait que des Pokémon aquatiques. Oui, c'est pas con. C'est pas con du tout. À la Bob l'éponge, mais version Pokémon. Bah écoute, dans les catégories famille Pokémon, les Japonais pourraient très bien y penser. Tu fais des hyper balèzes pour la fin, tu sais, les espèces abyssales. Mais entre-temps, tu peux faire les différentes mers du monde. Hein. Il y a les glacées, les chaudes, tropicales, modérées. Il y a de quoi faire des flopées de Pokémon. Hein. Et qu'est-ce qu'il en pense, ces dieux ? Bah... Oh, j'ai gagné. Je sais pas trop quoi en penser. J'en reviens pas. Pourquoi il a une idée pas trop absurde ?
C'est au moins c'est original, mais après, il y a déjà pas mal de Pokémon et il faudra réinventer des Pokémon. Je sais pas pourquoi, mais je t'imagine créateur de Pokémon, Funfan. Tu vois, par exemple, on continue sur mon idée de créature de la mer. Toi, tu ferais tout l'atelier avec le poisson, le requin marteau. Tu ferais tout. Tu ferais le requin tournevis, le requin établi, le requin scie sauteuse. Je t'en sens capable. Pareil à un requin, je sais pas si je dois le prendre bien, mais bon. Je suis, prends-le bien. D'accord. On va dire que c'est mon côté modo. C'est ça. Et pourquoi pas même un Minecraft sous-marin? Bah, avec... On peut presque faire, dans des conditions spéciales, on peut faire déjà du sous-marin dans Minecraft, dans le sens où, si tu gères bien l'alchimie et les enchantements, tu peux te faire du matos pour avoir la respiration aquatique et l'agilité aquatique. C'est fait que tu te déplaces comme un poisson dans l'eau et tu peux rester en apnée très longtemps. Donc oui, ça peut se faire. C'est juste que moi, j'ai pas un niveau suffisamment élevé pour me faire un truc de ma boule. Mais les années passant, ça va peut-être venir. On va être tellement dans la richesse que je vais peut-être pouvoir faire des trucs à la Dragon Ball Z. De là à voler et puis à faire des trucs. Non, mais par exemple, construire carrément une ville sous-marine, mais sous Minecraft. Ça peut se faire. Tu rigoles, mais ça peut se faire. Waouh, Nash, il faut qu'il le fasse. Il a fait tout sur Terre, mais non, il faut qu'il le fasse. Le pauvre Nash, architecte en chef. C'est son nouveau défi. Tu peux lancer, Edgey. En plus, Nash, qui fait une ville sous la mer, il pourra plus se plaindre de la pluie. Ah là, ça ne gênera plus. Faut que je lui propose l'idée. Fantasy Island Redux. Le ça, c'est du bon. Le Rotten Time. Pas compris la blague. Ah! Pense à une certaine Carole. Oh! Moi, ouais, je l'ai vu, la rime, je l'ai vu. Faut la laisser tranquille, Carole. Maintenant, elle vit sa vie et moi, je continue à vivre la mienne. Oui, c'est bien. D'ailleurs, c'est des heureux parents, normalement. Ça fait 2-3 ans, oui. Ouais, qu'elle a accouché. C'est bien. Ouais, je crois que c'était pendant le confinement, tout ça, ou un peu avant, ouais. Je sais plus, mais ouais. Mais elle me donne un coup de vieux, JDG qui est devenu papa aussi, alors qu'il a quasiment mon âge à quelques mois près. Ça me fout un coup de vieux, fait chier. Mais c'est bien. Oh, il reste Nayone qui a à peu près ton âge et qui a pas d'enfant. Donc ça... Oui, non, mais enfin, Nayone, tu pourras lui poser en privé la question si Delaine te répond, mais parfois t'en fais pas par conviction. Moi, c'est mon cas. Je vous avais expliqué que je voulais pas d'enfant, même si je pourrais très bien en faire. Hein. J'ai la chance de pas avoir de soucis de santé à ce niveau-là, mais c'est par rapport au fait que je pense qu'on est en surpopulation sur notre petite planète. On est dans une époque où je trouve que c'est pas un cadeau que de mettre au monde un petit haut par rapport à ce qui nous attend. Mais bon, ça ne tient qu'à moi. Oh non, moi c'est pire que ça. Moi je pense que le fun fan est unique et il doit s'éteindre avec lui-même. Et oh l'autre voilà. Bon, merde, j'ai pas compris le truc. On n'est pas un fun fan, on ne fait pas un fun fan. Il est unique et il n'y aura pas de succession. Je n'offre aucun héritage. J'ai pas compris le... Bon, bref. De quoi, ce que j'ai dit? Non, le parcours, là, j'ai atteint ma limite, ma bille était sanctionnée à chaque tir. J'ai pas compris le principe du truc. Ouais, il y a un petit peu comme toi, et puis... j'ai une responsabilité d'être parent, et... C'est tout juste qu'il me passionne pas. Quand je vois déjà mes voisins, j'ai déjà la j'en ai déjà marre des gosses, je me vois pas en avoir un en fait. Après c'est hein? Différent, mais voilà. J'ai le droit d'être là. Bah après finalement c'est toi qui l'éduques, donc tu peux éviter tout ça. Effectivement, mais c'est trop de responsabilité. Merde. C'est toute ta vie un enfant non, en théorie. Hein, donc, un enfant. Une responsabilité que je ne pourrais jamais assumer, même si c'est un rôle de parent à deux, mais bon. Devine où faut aller.
Moi, je vais aller là-bas. Duke Nukem 3D. Ah, je les douquerais plus à Duke Nukem 3D qu'à Sir, ça, y a pas de problème, tu vois. Duke Nukem 3D, au moins, ça a révolutionné quelque chose. Fear, c'est un banal FPS. Non, Fear est, a quand même une plus-value, c'est son intelligence artificielle. On peut pas le nier. C'est foutrement bien programmé. Il y a qu'à voir comment je galère dans mes parties. Hein. Après, le fait qu'il y a le ralenti, je trouve pas que ça, ça permet d'avoir une vraie difficulté, mais bon. C'est le côté de l'époque, la vague. Faut se remettre dans le contexte Matrix avec le bullet time. Mais... Non, l'intelligence artificielle est absolument remarquable. J'en arrive même à regretter qu'il n'y ait pas eu ce code-là développé chez Valve pour Half-Life. Parce que là, ça aurait fait un jeu, mais alors d'une qualité monumentale. Bah déjà, pour l'époque, le premier Half-Life, l'intelligence des, notamment des militaires a envoyé du lourd. Ouais. Mais le 2 aurait pu s'appuyer sur l'algorithme de Fear. Il aurait déchiré grave. Je crois pas. Je pense que Fear s'est sorti après, hein, Half-Life 2. Je vais vérifier ça. Bah, je te laisse vérifier les dates. Alors, le premier Fear, 2005... Ah, ça doit être à peu près la même époque, au pire. Oh, j'en ai marre de mon réseau, dès qu'il faut lui demander quelque chose, il rame. Non. Alors, Half-Life 2 est sorti en 2004 et Fear en 2005. Allô? Ah ouais. Donc c'était compliqué qu'ils puissent en espérer. C'est peut-être eux qui ont amélioré. Hein. Mmh. Oh ouais, sinon j'ai vu Strumpfer de Poulpe là, je sais plus comment il s'appelle. Bon, il y a le chauve vulgaire et en colère que j'aime beaucoup sur YouTube. Non, je rigole. Il est pas comme ça. Il est un petit peu vulgaire, ça c'est vrai. En colère, pas spécialement, mais c'est plus drôle. Et chauve, oui, lui je l'aime bien. Il dit des trucs intéressants. Il faut prendre que le meilleur. Bah, il a parlé d'un jeu qui s'appelle Steam Emergence, qui est un FPS qui est sorti avec le code source de Half-Life et qui est uniquement Steam. Hop, ils n'ont pas fait. Ils avaient déjà fait un jeu en 1998. Ils en ont fait une petite suite, ils étaient prévus de faire 2 ou 3 épisodes, mais bon, il n'y a qu'un seul. Et franchement, c'est intéressant comme FPS, puisqu'il est avec le moteur du 2. Et d'ailleurs, la particularité, c'est que le jeu, il est sorti avant Half-Life 2. Donc, ça qui est rigolo. Et donc, il est le premier jeu à utiliser l'open source. Bon, après, c'est pas un grand jeu, il a ses défauts, mais il est intéressant, hein. Il est en anglais. Mais ça reste un jeu que je trouve cool. Ah! Ah! Frustration, orage au désespoir. Bah, Twin Sense, c'est pas mieux. Ouais. Oh mon dieu! Par où qu'il est passé, il est fou! Cet homme est fou! Oh. Oh! En un coup! Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai eu la trajectoire parfaite, c'est très bizarre. Boom. Chacabon. Dis d'ailleurs, en pensant en musique, t'as pas eu l'occasion de recomposer, mon pauvre Jay? Non. Ah oui.
Avec tes études, forcément. Bah, peut-être que tu t'y refroteras un peu l'été prochain. Une fois que t'auras ton bac en poche. Tu nous composeras la musique de la victoire. Ce serait beau. Peut-être que je ferai une musique d'adieu pour le lycée aussi. Si tu veux, tant que tu crées de la musique pour la culture, c'est très bien. D'après mes sources, c'est déjà triché. Je ne veux plus. Triche pas, Monopoly. Mais j'avais émis une théorie te concernant et Jay auprès de FunFan. Je me disais, t'es tellement en amour et à l'aise avec la langue de Shakespeare que finalement, tu pourrais peut-être suivre des études pour être prof d'anglais. Hein. Ou traducteur, si t'aimes vraiment pas le monde de l'école, de manière générale, de l'éducation nationale, ça peut bien payer. Alors, il faut savoir rebondir, mais si t'arrives à te qualifier avec une licence d'anglais en restant au moins 1 ou 2 ans à Londres et sa périphérie, tu peux devenir traducteur sous licence et tu peux te faire du tombeur, quoi. C'est vrai. À toi de voir. Après, si tu veux, je pourrais te repasser le lien d'une excellente émission de Ronan Le Toqueux, alias Rémi Hop. Il a fait une émission avec son copain de toujours et collègue de boulot qui est... Merde, j'ai un trou de mémoire. Sur les traductions Netflix dans le jeu vidéo, et c'est pas triste, l'émission. C'était pas avec Cœur de Vandal, parce que Cœur de Vandal, à mon avis, il a même plus de contact avec lui, malheureusement. C'est... Merde, je sais plus. Moi, je les appelle Next Trick, maintenant. Oui. Bref, il faudra que je te passe le lien, je pense que ça pourrait t'intéresser, Edge. Le temps d'une soirée, si tu sais pas quoi faire, ou si tu veux, tu sais, t'écouter Peinard dans ton plumard, un truc en mode radio, parce que ça se coûte très bien en mode radio. Merde, je suis tombé dans un... Ah, c'était trop bizarre ce qui m'était arrivé là, j'étais comme je pouvais le dire dans Fear, dans les interstices de l'interdit. J'ai été là où il fallait pas être. Et dit Gaël Chico, il dit que tu triches pas au Monopoly d'après ses sources. Hein. Non, je triche pas au Monopoly. Ouais. Ah. Et Chico, il dit ça maintenant. Attends, faut que je me remette dans l'axe. Le Chito. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, la tuile a été mal posée, ça m'a fait ricocher. Ouch! Alors là, par contre, j'ai pris la correctionnelle, moi. J'ai été exécrable. Qu'est-ce que je voulais dire? Finalement, notre Nainone nous a abandonnés. Sniff. Oh, j'espère qu'il sera là demain pour les camions. Pardon. Non, qui abandonne un ancien. Oh la vache, c'est le stade là, c'est une arène de sport. Je vais vous expliquer avant de commencer. Je veux bien, oui. C'est la dernière, c'est la dernière. Oui, alors The Jump Olympic End, j'ai pas la suite, mais c'est surtout que il me refait le même bug que l'autre, il veut pas la télécharger. Ah. Alors, attends, bouge pas, je vais me reconnecter. Attends, lobby. La partie, je fais notre mot de passe. Si je suis en droit de le saisir, évidemment, faut que je sélectionne le champ. Allez, télécharge-moi le truc. C'est bizarre, pourquoi mon ordi il boude. C'est trop bizarre. Oh, il boude. Oh, ça sent pas bon. Mais pourquoi il veut pas. C'est trop bizarre. Essaye de relancer le jeu, peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est pas con. Bouge pas. T'as raison, c'est radical, mais ça peut être la bonne solution. Oui, visiblement, il est dans les choux, je peux pas recliquer sur jouer. Nice.
Vous avez gagné le droit de voir ma tronche en gros plan. Oh non. Non, je sais pas, il me fait des vérifications. À croire que j'ai les données corrompues, il est pas content. Mais qu'est-ce qu'il me fout, le Steam? Je suis désolé de vous faire poireauter, mais là, il m'envoie pêtre. Attends, téléchargement, j'ai... Oui, bah... Peut-être qu'il veut faire du camion, je sais pas. Non, il me propose une mise à jour. Ah oui, c'est possible, parce que je sais qu'il y a une mise à jour hier. Bon, bah attends, je reviens. C'est possible. Je reviens. Peut-être musique. Ah, ça change tout. Il fallait que je fasse la mise à jour. Bon, très bien, ta suggestion, Edge. Bien vu de relancer le jeu. J'arrive même pas à faire en sec. La forêt hantée, c'est bon aussi. Très bien. Voilà, bon, on va faire la forêt hantée, on va garder la surprise. Ouais, tu as raison. Ouais. C'est cool. C'est ça, tu as une scène. Le chapeau de Noël. Ah bah me voilà rassuré. Oh, oh. Ce sens de l'accueil. Oups. Oh non! J'étais dans la trajectoire. Ah bah, je vais y retourner. Ah. Voilà, Bon, bref. Ce n'est que le début. Ou cocher vicieux, ça. Ah, malin petit Edge. Ah, tu une scène qui fait un bon. Oui, parce que je crois que j'ai activé les sauts pour le jump olympique, et du coup il est resté. Ah, il y aura un intérêt pour le. D'accord. Ouais. Petit indice. Ah. Ok, ok. Alors attends. Burp. Non, on peut pas sauter. Oh, j'ai cru que j'avais fait trop fort. Non, vous êtes en train de me guaquer déjà, vous êtes trop fort. Swing. Mais oui, on t'a reconnu. Ça crée une scène. J'ai pas fait assez fort, merde. Pas con, le procédé d'accélérateur dans le tuyau. Oh, ah. Je te vois de vautrer, mon pauvre Edge. Ouh, ça te réussit pas le tracé. Vache. C'est un comble. C'est toi qui les trouves pour nous et puis finalement c'est toi qui n'es pas à l'honneur. C'est moche. Mmh. Oui, sur la tranche, fais gaffe, là tu prends des risques. Un coup de vent et... c'est la tragédie. Nice. Ouch. Mais oh. Non, la probabilité, quoi. Tu as été puni.
T'es grand mort, et c'est qu'à de le dire. Mince, j'ai fait une bêtise dès le départ, moi. Bon. Oh là. Ouh là là. De l'importance de la trajectoire. Oh! Ah bah, au moins ça a rectifié mon erreur. J'adore les planches de fakir comme ça. J'adore ça. Les fakirs, c'est des escrocs, ils sont pourris. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je les aime pour. GG à Twinsen qui est niveau 144 et qui est le deuxième. Et tu restes à cette place, n'essaye pas de prendre ma première place. Hein, tu dois rester le leader incontesté du classement. Mmh. Oh, il y a une citrouille dans le parcours qu'on voit en arrière-plan, là, sur la gauche. Elle est énorme. Enfin, si, c'est une citrouille. Enfin, je sais pas, elle est, c'est trop délirant. C'est très Halloween. On sait plus la période, mais... Oh, la vache. Stylé. Merde, je voulais pas sauter. Ah, je suis content d'avoir revu ton cousin. Ah, Rio. Ouais. Je le vois pas souvent, donc je suis content quand je le vois. Mmh. Bah, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il a un peu moins de visites commerciales et il peut souffler un peu et bosser sur les commandes qu'il a, quoi. Ça fait rire avec son anecdote qu'un gars lui a donné un ordi Win 98. Oui. Il faudra qu'il m'en donne les détails quand je l'appellerai la semaine prochaine. Mais waouh, ça m'impressionne. Oh là! Oh, je suis mort! En Win 98, tu pouvais jouer à Duke 3D! Mmh. Oh, l'araignée, quoi! C'est toute ma jeunesse, ce système! Quand j'étais jeune et que j'avais des cheveux! Oh! Oh! C'est arrivé avec le bon, c'est rigolo. C'était bien marrant. Put dans le bidet. Ah. Ouh, j'ai vu je sais pas qui faire un saut ambitieux là, c'était. Ouf. Oh, c'est gentil de faire une arrivée comme celle-ci. Oh, arrivée stylée également pour Twinsen. C'est bien. Hop là. De l'avantage de pouvoir faire le petit saut. Merde, je me suis pris la tranche du pendule. Ça a complètement cassé ma trajectoire. Qui est beau. Ah. Oh oh. Ouch. Un coup de chaud, je crois. Ouh la vache. Non. Je pensais pouvoir passer, mais non. Oui. Ouh. La vache, c'est vicieux. Dur.
Ah, Twinsen serait-il en galère? Coup 8, oh mon dieu. On te voit sautiller, Twinsen, on te voit sautiller. Qu'est-ce que c'est? Ça représente quoi? On dirait une superposition de marmite dans le feu. Oh, l'araignée, magnifique! Trop stylé l'arachnide, j'aime beaucoup. Tant que Bassos la voit pas, ça va. Ah oui, il est arachnophobe, c'est vrai. Et bah moi aussi, donc c'est pas une partie de plaisir. Oh, c'est des créatures formidables, les araignées. Ah mais elles sont sûrement utiles, hein. Mais elles pouvaient pas choisir une autre apparence au moment de la création. Bah genre, Dieu s'est dit, tiens, je vais les rendre les plus moches possibles. Comme ça, elles vont être détestées. Discrimination. Voilà. C'est pas faux. Je suis désolé, mais le serpent n'est pas plus beau, hein. Quand même. Oh. C'est moche, un serpent. Déjà, ça a des couleurs, ça a des motifs. Alors qu'une araignée... Une araignée peut avoir des couleurs et des motifs, hein. Il y a des espèces d'araignées, je suis désolé. Oui, mais je veux pas en parler. Ah non, mais non. Il y a des araignées qui ont des camouflages magnifiques. Oui, ça fait texture tribale. Tribale. Ouais. Ouais, on dirait des araignées de la jungle. Les belles noires et jaunes, elles sont magnifiques. Au niveau de l'abdomen. Il y en a un qui a dit, comment il s'appelle, Austin Theory a dit, Eddier, je suis fabriqué pour battre Roman Reigns. Non, du coup. Ouais, non, bon, ça me débarrasse des mouches, je les laisse vivre. Austin Theory n'est pas fabriqué pour battre Roman Reigns. Il pense qu'il sera le Roman de demain. Non. Oh merde. On en a assez d'un. Je me suis éjecté. Merde. Oui. Oui, j'en reviens rapidement aux araignées, mais il faut savoir qu'elles ont 4 glandes dans leur abdomen pour faire leur cuisine, si je puis dire, au niveau de leur fil. Et en fait, en fonction des glandes sur les 4 qu'elles peuvent solliciter, il y a leurs fils qu'elles tissent sont leurs propriétés. C'est-à-dire qu'il y a le neutre pour tisser la toile, il y a le collant qui est toujours pour tisser la toile et capturer les proies. Et généralement, alors je dis bien généralement, la plupart des espèces d'araignées le font de manière pair et impair. C'est vraiment très intelligent. Et elles ont le fil de sécurité le plus robuste quand elles se suspendent dans le vide. Elles ont aussi le fil de conservation quand elles ont une proie et qu'elles veulent l'emballer pour le conserver. Et c'est extra. Non, sans déconner, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les araignées. Je trouve que cette créature est fascinante. D'ailleurs, il faut que je sache, on s'est inspiré de la composition chimique et des propriétés physiques des fils d'araignée pour concevoir nos gilets pare-balles actuels. C'est surprenant. En effet. D'ailleurs, il paraîtrait, alors ça c'est dans les théories des survivalistes, je pense honnêtement que ça a été vérifié par la science, mais il ne faudrait pas hésiter à demander autour de vous. Quand vous sectionnez, vous avez malheureusement que vous commencez à saigner avec une bonne égratignure, si vous trouvez une toile d'araignée qui est propre, c'est-à-dire éviter l'infection, qu'il n'y ait pas de proie en décomposition dans la toile et autres cochonneries prises dans la toile, si vous prenez finement la toile d'araignée et que vous la mettez sur votre plaie, ça devrait arrêter le saignement normalement. C'est dire les propriétés physiques des toiles d'araignée. Ouais, ok. Ah, il y a des trucs, c'est impressionnant. Et c'est non, bon, non, extra, franchement. Moi, je dis respect aux araignées. Oh. Mon pauvre Jay.
Je te torture. Ça fait 5 minutes que j'ai le casque qui est pas sur mes oreilles. Oh, je change de sujet, va, t'en fais pas. Merci. Alors, le catch. Merde, je suis hors délai. Bah ouais, pareil, j'ai pas compris. Bah. Sans pas la fin. Oui, mais on a dit que les araignées sont paires et impaires. Ils ont des paires, mais ils ont des vestes aussi. Oui, des impaires, oui, bien sûr. Qui débite. Mais qui débite. Ah, alors attention. AJ va devoir nous expliquer. Je suis bête, je reste dans le même thème. Hein. Ça reste dans le thème des bêtes. Hein. Alors, le stade olympique. Il va falloir jouer avec le saut. Le saut avec le clic gauche. Et donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais faut être, comment dire, ça va être joué avec les réflexes. D'accord. Dans le sens où faut sauter au bon moment. D'accord. On peut se lancer dans la partie et que ça saute. Alors, les réflexes. Parcours spécial. S'il veut bien. Oui. Alors, welcome. To play this map, jumping must be on. To turn, jumping c'est... Ah oui, ils expliquent dans le menu. Etienne a compris le sujet. Le sage aussi. Bon, c'est parti. On peut y aller. Bravo à vous. Bravo à vous, monsieur, messieurs. Messieurs. Brain. Boring. C'est rigolo. Le petit saut timide. Non, alors, ouais. Ah, excellent! Ok, j'allais dire, si tu comprends pas, t'inquiète pas. Ah, mais c'est excellent, c'est très bien pensé. C'est beau, on voit l'intérieur du stade, c'est joli, en arène là, c'est bien. Bon, c'est cool, Twinsen peut faire tourner tous ses parcours. Ben oui, c'est génial. Oh, le pauvre Twinsen, il s'est fait avoir. Il a merdé son show. Il est sur la tranche le fil du rasoir, effectivement, Twinsen va-t-il parvenir? Oh, c'est dommage! Il s'est cassé la gueule sur la rambarde. Mais il rallie l'arrivée quand même. Ouch. Mais non! Twinsen, voyons! Merde, même moi j'y arrive pas! Alors comme ça on pète le feu! Ah oui, bien vu. Ouf. Oh, presque. Merde. Oh la vache, on c'est bien sur pensé. Un très beau saut. Très beau saut de la main de Twinsen. Ouch. Ah, le sage qui tombe par le côté gauche et ça. Oh passe. Yeah. Très très bien pensé. C'est une manière de détourner le jeu, mais avec du génie. Ah oui. Oh les salauds. Ouh. Ah merde, il fallait passer en dessous. J'adore les jeux de réflexes comme ça, ça me tue. Non, bogué. Oh, l'autre. Ah, c'est rigolo.
Faut monter des marches. Oh putain, c'est dur là. Ouh, c'est dur. Comment ça, vous allez sur le côté? Merde, j'y arrive plus. Ah, trop tard. Non, cochonnerie. Là, faut limite de cliquer sur la souris. Je vois le sage galérer, oh mon dieu. Merde. J'y suis... Non. J'y croyais. Je boude. Oh non. Ah merde. Je suis pas dans le centre. Ah oh. Fais la poule. Et hop là. Ah. Hop là. Suivant. On peut faire un joli coup. Oh, ça sent bon. Hop là. Oui, j'ai passé deux coups en un. Oh, récompense. It's a paw. C'est comme il fallait faire en nombre de coups préprogrammés. Oh, Twinsen qui a la correctionnelle. Il a été trop gourmand. Ouais, tu vas par là, Twinsen. Mais non, c'est pas par là qu'il faut aller. Il aime beaucoup ce parcours, il est vexé, il veut recommencer depuis le début. Voilà, ce parcours a été créé par quelqu'un qui se demandait à quoi pouvait bien servir le saut. Damoclès. Ah merde, ouais. Moi aussi. Ah, on fait un joli tas de débris en bas. Faut pas aller trop vite. Je vais passer par là. Moi par là. Merde. Ah non, tu peux pas. Je voulais guaquer, mais non, tu peux pas. Oh vache. Oh. Moi, je suis passé par la porte de pique de l'autre côté. Ah merde, j'ai pas vu que c'était une épée. Merde, le con. La porte de pique. Mais... Je fais de la merde. Oh, comment tu ne domines, Edge? C'est insolent. C'est beau. Aïe. Bring, bring, bing, boom. C'est beau. Shabada bada. D'accord. Oh. Ah, il faut avoir de sacrés réflexes. Oh, c'est beau. Hop là. Par là-bas, je crois, oui, c'est ça. Oh. Oh la vache!
Wouah! Ce parcours! Ouh! Oh, Edge! Oh, stratosphérique, Edge! On peut plus rejoindre. Je savais qu'il allait vous plaire. Ah oui, oui, il est extra. Oh! Alors là, c'est très Serious Sam. C'est très Serious Sam comme atmosphère, je trouve. C'est horrible. Faut y aller avec pêche. Je me suis raté tout seul, je me suis saboté tout seul. Oh. Ouais, 20 coups d'écart, c'est bon. Oui, t'es tranquille. Quoi? Next Dimension? Ah! Je sais même pas où il faut aller. Brap. Brap. Attendez. Je sais pas où il faut aller. On va aller par merde là. Merde. Tu as une question de Christella, le sage, elle te demande si tu as déjà joué à Serious Sam. Ah oui. J'ai... Bah mon cousin Rio, il pourrait t'en témoigner, Christella. On s'est fait des parties entre cousins bah, l'année de sa sortie, le 1 et le 2. On s'est fendu la poire à se décrocher la mâchoire. On en pleurait. Tellement qu'on se fendait la gueule. Même ah ouais, si non, le Serious Sam, je connais bien. Même si la question ne m'est pas adressée, moi j'ai joué au principalement au Serious Sam Second Contact. Mmh. Et Serious Sam 2 aussi. Qui est le seul que tu n'as pas encore fait sur ta chaîne, Christella. Et j'espère qu'un jour tu auras l'occasion de faire. Hein. Même si c'est pas le meilleur. Il a un côté cartoon qui le rend très différent des autres, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Merde. Ah oui. Oh, le pauvre Tunsen qui est en galère, là. Oh, les maisons volantes. J'avais même pas vu. Ta cam est bloquée. Oui, je la remettrai après, va. La fin du parcours. Mais merci pour l'information, Christella. C'est pas le son. Oula. Donc là, en fait, faut prendre le portail et sauter direct après. Non. J'ai fait de la mouise. Pouing. Ah d'accord, je viens de comprendre le truc. Enfin, je crois. Faut sauter en même temps que prendre le portail. Ah oui. Oh là là. C'est super ingénieux, j'adore ce parcours. Mmh, très bien pensé. Là c'est RNG, ça veut dire que c'est totalement aléatoire. Enfin, y a plein de trucs quoi. C'est marrant, y a plein de trucs. Oh merde, non. Ah merde, je retombe dans le mauvais truc. Mais saute, nunuche. Oh merde, c'est dégueulasse. Merci.
Là, faut attendre d'avoir la bonne vitesse. Pour ensuite passer au-dessus. Moi, j'attends d'avoir l'ultra vitesse. Blop. Si tu finis par faire bugger le jeu, enfin non, tu serais peut-être hors délai, mais... Et Oh là là, le dernier trou est incroyable. Moi, je vous le dis. Non, je suis un premier. Je me suis raté. Oh, c'est beau. Je suis raté. Je suis sûr qu'on peut le faire en zéro coup. Quoi. Mm. Bien sûr que vous, on peut le faire en zéro coup. Oula. Ah, c'est normal. Je suis peur. Ah, non, pourquoi je descends dans les gradins, moi? Oh, c'est magnifique. Oh, bravo. Bravo. C'est magnifique. Bravo. C'était le dernier. J'espère que ça vous aura plu. Complètement, merci pour cette sélection de parcours, mon cher Edger. En plus, vous m'avez foutu la pâtée. Tout le monde est content. J'espère que dans le chat, ça vous a plu. Oh, je pense qu'ils ont apprécié le spectacle. Le dernier était incroyable. Ah ouais. Trop stylé. Voilà, voilà. Eh ben, merci, mon cher Edger. Bah, on va passer au Bibi. Et finalement, vu l'heure, on va pouvoir se faire 16. Voilà, elle applaudit aussi, Christella. On va pouvoir se faire 16 parcours de Grand Prix de Marble and Stream. Attendez que je vous configure tout ça. D'abord, je restaure ma webcam, comme me l'avait notifié Christella. Ça va, je présente bien sur l'image fixe. Correct. C'est quoi, c'est les cours de la bourse, là, qui... Je sais pas. Les coulées de la bourse. Ouais, c'est mon téléchargement que j'ai bridé. J'aime bien faire comme ça. Ah, je suis de retour. Allez. Moi, je vois.